Mais tu parles encore de quoi, toi? Pour dégoûtant. C'est marrant, quand David est dans le corps d'Alpha, ça fait un Alpha avec une robe. Il donnera sa fille. C'est peut-être je drôle. Pourrais en faire ce que je veux. Ah ouais, quand même. Sa fille, c'est l'autre blondasse, là, en rouge, là? J'espère. J'espère, là. Mais, je vois que t'as pas regardé du tout les cheveux, toi. Hein. Regardez, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On lui a regardé le vagin, ça suffit bien, non? Quels cheveux? C'est bien ce que je dis. Cheveux. Ouais, de toute façon, avec un sac sur la tête, c'est vite réglé. Cette histoire de cheveux. Je sais pas. Ouais, tu peux. Ah non, merde, c'est David qui a son sa capote sur la tête. Il est toujours mais équipé. Dis donc, ça il suffit, toi. C'est pas toi, moi t'as qui pas, t'as pas de cheveux, puis c'est bon, on en parle pas. Hein. C'est pas moi qui ai une espèce de paire de lunettes avec un œil rouge et puis l'autre œil carré, non? Vaut mieux une paire de lunettes Terminator qu'un crâne moche. Oui, mais excuse-moi. Ça, par contre, hein. Ça va pas passer, ça. Excuse-moi, mais moi, au moins, je suis efficace. Avec une sur la tête. Heureusement que Mako est là, parce que sinon, ce serait pas très efficace. Hein. Ah lol. On va où, monsieur, je sais tout. Il y a pas ça sur la carte. Ouais, ben on l'a entendu ça. Pourquoi tu t'arrêtes? Parce que je cherche le chemin pour être le meilleur. Il se raccroche à la vie. Tu sais qu'il n'y a pas grand chose à récupérer là-dedans. Bon, cool, Michel Sardou, tu vas te calmer là. Je suis pas sûr que ce soit Michel Sardou, mais pourquoi pas. C'est pas lui ça, je m'accroche à la vie. Non, David, c'est des amis ça. Eh merde. Oh putain, j'arrête. J'arrête tout. Oh le perso. Mais je vous emmerde moi, monsieur. On va juste tais-toi alors. Eh sérieux, on a voyage rapide hein, sinon. Eh sérieux, on est pas déjà. On vient pas de là à la base? Si, on vient de là, on non, y a pas voyage rapide. Moi je l'ai. Non mais y a pas de balise à l'endroit où on ah, doit attends, aller. Attends, y'a un truc à récupérer ici. Ouais, y'a un truc à récupérer. Tu penses bien, petit malin, que si c'était le cas, on l'aurait déjà fait. Non. Merde, je l'ai envoyé de mes côtés. Tu l'as envoyé ma côté. C'est pas faux. Du verbe ma côté. Ah bon, j'ai claqué des oiseaux. Pas bien. Qu'est-ce qu'il est? Ah. Il est toujours sur Kadok. C'est vrai que c'est les textes les plus faciles à apprendre, hein. Comparé à Perceval et ses règles du jeu. Ça dépend, hein. Ça dépend, putain. C'est vrai que Pitu a dû en chier, hein, pour apprendre ça. Pourquoi ils sont déjà morts? C'est même pas drôle. Parce qu'ils sont passés sur ma main. Enfin, dessous. Ils sont passés sur ta main? Est-ce que tu peux nous expliquer ça, s'il te plaît? Pas du tout. Les lapins. Encore? Oh, Alpha, arrête de bouffer si tu arrêtes pas de roter. T'es malade ou bien? C'est tout à fait dégoûtant. C'est suisse. Je crois que c'est un petit sniper là. Attends, le mec il a pas fini, t'es au courant? Pas oui, du il est mort tout. Maintenant. Voilà, c'est fait. Moi je récupère les thunes. Le rat passe. Bougri, moi j'aurais dit, mais. Oh, Alpha est encore tout nu. C'est une habitude, il joue tout nu. C'est mieux qu'avec une capote sur la tête. Eh, dis donc, est-ce que je t'ai demandé la messe? Se laisse sans money. Tut. On est éligible pour cette conversation. What? Ouais, dis donc. Le cadavre va pas oh, faire. Oh, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Parce que moi je suis pas éligible. Ah, c'est un coffre piégé, d'accord. Comment ça t'es pas éligible? Parce qu'il avait déjà appuyé sur le cadavre. D'accord. Oh, pardon.